Bonjour, bonjour, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de février et ils arrivent un petit peu en retard, je m'excuse pour ça. Non. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'un peu de tout. Tout ce qui m'a fait du bien, notamment pendant le mois de février. Et alors, il y a un petit peu de lifestyle, j'ai compté un peu genre les trucs qui concernent la maison, trucs de détente, un peu de mode aussi, un petit peu de beauté et évidemment un peu de divertissement. Voilà, parce que le mois de février pour moi a été très, très difficile. Je vais pas vous mentir, ça a été un mois où j'avais pas trop le moral, donc forcément avoir des choses qui nous font du bien et qui nous donnent un peu de baume au cœur, bah c'est toujours cool. Voilà. Le premier favori de la catégorie maison que je voulais vous présenter, c'est un liquide vaisselle de la marque En Moins. Alors je vous le montre en deux parties parce que en fait c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de la marque je crois au milieu du mois de février et du coup ça se compose en deux choses. Donc la première qui est la plus importante finalement, qui est la recharge de liquide vaisselle, et ensuite vous avez le flacon qui va avec et qui est ma foi très joli, hein, on ne crache pas sur le packaging. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la marque En Moins, mais je vous explique grosso modo le concept, enfin je vais essayer d'être la plus claire possible. En gros, la marque En Moins est une enseigne qui a une démarche écologique et qui tend vers le respect de la planète, puisque l'idée en fait c'est de vous livrer des produits qui sont sans packaging, donc le seul truc que vous recevez finalement c'est le colis quoi, et à l'intérieur vous allez trouver directement les produits. Donc la marque En Moins fait notamment du liquide vaisselle, donc là pour le coup on le retrouve dans une recharge et je vais revenir là-dessus juste après. Vous retrouvez également des dosettes de lessive, des dosettes de nettoyant WC je crois, il y a aussi tout ce qui est voilà, nettoyant multisurface, pas mal de choses en termes de produits nettoyants pour la maison. Et donc là je vais vous parler plus précisément de ce liquide vaisselle, c'est un produit en recharge qui vous permet de remplir 4 fois 400 ml. Ça vous permet de faire en fait 4 fois le flacon, donc c'est quand même hyper intéressant. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait il suffit de mettre un peu de recharge jusqu'à 100 ml, donc c'est bien expliqué sur le packaging, et ensuite on remplit avec de l'eau chaude jusqu'à 400 ml. Une fois que le produit est, voilà, que vous avez fait votre petite mixture, vous secouez la bouteille et puis ensuite votre liquide vaisselle est prêt à l'emploi. Ce qui est hyper sympa, je trouve, hein, moi c'est quelque chose que j'aime bien avec ce produit, c'est que lorsque vous pompez du coup du liquide vaisselle, il sort sous forme de mousse. Donc ça c'est hyper cool parce que du coup on utilise beaucoup moins de liquide vaisselle. Et en plus de ça, on est sur un produit qui se dit sain, puisqu'il y a 98,77% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, sans utilisation de DTA et de phosphonate. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est pour être tout à fait honnête, mais je pense que ce sont des produits qui ne sont pas très très bons pour la santé. En plus de ça, on promet du coup une planète respectée, puisque vous l'avez compris, on est sur un flacon rechargeable avec une formule vegan et cruelty free. Que demande le peuple? La marque va jusqu'à expliquer comment est calculé le prix. Donc on vous dit qu'en gros il y a un coût pour la fabrication, le transport, l'équipe qui travaille sur le produit, la TVA, et en tout ça vous donne du coup le prix du produit. Et voilà, c'est, je trouve que c'est une marque qui joue sur la transparence totale de la manière dont les produits sont conçus. C'est une fabrication évidemment française, 100% française, et donc voilà, on apprécie ce genre de démarche évidemment. Le deuxième favori dont je voulais vous parler, c'est un magasin que j'ai découvert grâce à ma belle-mère qui s'appelle Zoli99. C'est un magasin qui, pour celles et ceux qui habitent dans la métropole lilloise, se trouve je crois à Dottigny. Enfin, si vous savez où se trouve Famille Flora, en gros le magasin n'est pas très loin. C'est un magasin du coup de décoration, donc c'est une enseigne du coup qui fait de la décoration et de l'ameublement, et franchement moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette enseigne parce qu'ils ont des choses absolument extraordinaires dans le magasin avec un choix absolument incroyable. Et du coup je voulais vous montrer deux produits qu'on a acheté là-bas le mois dernier, et il s'agit dans un premier temps d'un coussin
que je trouvais plutôt jolie, hein, parce que voilà, j'aime bien les couleurs. En plus, juste en termes de prix, vous pouvez voilà des produits à des prix assez, je vais pas dire dérisoires, parce qu'on n'est pas non plus sur une gamme action, mais on est quand même sur des prix qui sont ultra abordables. Et si vous voulez une déco sympa et originale et en même temps pas trop chère, ben ma foi, je vous envoie vers Zoli99. En plus de ça, ils font également de la livraison en France. Donc si jamais vous voulez commander sur internet parce que vous n'habitez pas en métropole lilloise, c'est tout à fait possible. Autre chose que je voulais vous montrer qui vient également de l'enseigne, c'est un pouf. Attendez, je le ramasse quand même. Voilà le pouf en question. Donc c'est un pouf avec un petit effet matelassé que je trouve très très joli, très charmant, d'une couleur orange bien vif pour aller avec le coussin, évidemment, hein, parce que on fait toujours attention aux détails. C'est vraiment un pouf que j'ai trouvé vraiment très joli. Enfin voilà, c'est le genre de truc qu'on peut acheter bah, justement chez Maison du Monde à une quarantaine d'euros, peut-être plus. Et là, on l'a eu à 14 euros, je crois, dans mes souvenirs. Donc vraiment, vraiment pas cher. Next favori, et pour le coup, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer là tout de suite face caméra, mais que vous allez voir du coup en insert image. Il s'agit d'un tableau qui a été fait par Mamie Monique pour Thibaut et moi. Elle nous l'a offert il y a quelques semaines maintenant. C'est un tableau que j'ai déjà montré sur les réseaux sociaux, un grand tableau avec deux bouches qui s'entrelacent. Je suis absolument fan. Alors, je suis désolée parce que pour le coup, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir vous reprocurer, mais par contre, si jamais il y a des âmes d'artistes qui se baladent parmi les gens qui regardent cette vidéo, eh bien, je vous mettrai le lien de la photo originale de l'œuvre, comme ça vous pourrez vous amuser à reproduire ça chez vous. Je passe maintenant au favori lifestyle et je voulais vous parler d'un objet non connecté qui me fait énormément, énormément de bien et surtout qui m'aide à l'endormissement parce que voilà, moi l'endormissement depuis le mois de septembre, comment te dire que c'est très compliqué, hein, voilà. Et puis je n'ai absolument pas un sommeil continu sans interruption, je me réveille plusieurs fois dans la nuit et j'ai trouvé un objet qui m'aide à avoir un bon mood en fait avant de faire dodo. Et il s'agit du coup de la boîte, alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois qu'ils appellent ça le My Morphée, ce qui est une boîte à bruit slash sophrologie et méditation et qui en gros est absolument incroyable. Encore une fois, je pense que de toute façon c'est le mot, c'est les favoris incroyables du mois de février. Moi je trouve que cette petite machine est absolument formidable. En fait il y a plusieurs programmes, donc vous allez retrouver les programmes corps, respiration, mouvement, voyage, rythme, etc. Donc encore une fois on est sur de la sophrologie, de la méditation, il y a même des musiques relaxantes et des bruits de nature. D'ailleurs si vous voulez je veux faire écouter un petit bruit bien sympathique. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais meuf, pourquoi tu te fous pas tout simplement sur Spotify? Alors, moi je veux bien, hein, Spotify, il n'y a pas de souci, j'adore Spotify, par exemple. Hein. Mais le problème, en fait, c'est que du coup, ça me fait retourner sur mon portable. Et moi, le soir, le portable, c'est un vrai démon. C'est un problème pour moi parce que dès que je suis dessus, en fait, ça m'empêche de dormir. Cette petite machine qui est 100% déconnectée, et bien plus pratique pour moi parce que souvent ça m'arrive de m'endormir en pleine séance puisque comme je vous disais il y a des séances de 8 et de 20 minutes et en plus de ça une fois que la séance est terminée la machine s'éteint toute seule et je n'ai absolument pas à prêter attention à si oui ou non je dois l'éteindre machin etc. Alors le seul petit défaut que j'y trouve c'est le prix parce que c'est un petit peu cher mais par contre ça peut faire un super cadeau pour les personnes de voilà que vous connaissez ou pour vous faire un cadeau à vous-même. Moi perso c'est quelque chose que je me suis offerte à moi-même pour mon bien-être et pour mon sommeil parce que je suis très irritable quand je dors pas très bien. Voilà, c'était important pour moi de préserver mon sommeil et cette petite machine fait vraiment très très bien son travail. Autre favori lifestyle qui change un petit peu de ce que je vous ai présenté juste avant, il s'agit d'un hôtel dans lequel nous avons séjourné, Thibaut et moi, à l'occasion de notre 4e anniversaire. On est allé à Liège pendant un tout petit week-end pour faire un espèce de staycation, enfin c'était pas trop prévu comme ça, mais il se trouve que l'hôtel était tellement fabuleux que voilà, on est resté un jour et demi dans cet hôtel. Le nom de l'hôtel, c'est le Van der Volk Celis à Liège, donc c'est à 2 heures de la métropole lilloise et du coup c'est un hôtel spa restaurant qui est juste
incroyable, encore une fois. La décoration est juste trop jolie. Enfin, vraiment, les chambres aussi sont très grandes, très spacieuses, avec des lits tellement grands qu'on avait l'impression avec Thibaut de ne pas dormir sur le même fuseau horaire. Voilà. Il y a un spa avec piscine, hammam, sauna, auquel vous avez accès quand vous prenez une chambre d'hôtel. Sachant que l'hôtel était pas trop cher, honnêtement. On a passé du coup une nuit. Avec du coup bah, forcément accès à la chambre et comme je disais au spa et à la piscine pour 114 €. Donc franchement c'était un prix assez raisonnable et en plus on en a profité du coup non seulement pour se faire masser mais aussi pour dîner au restaurant et c'était juste vraiment un très très bon séjour qui nous a fait énormément de bien. C'est un truc un peu bête comme ça parce qu'il s'agit de, voilà, de rester dans un hôtel mais ça nous a fait énormément de bien. Déjà juste le spa, la piscine etc, c'était super chouette, le massage divin, le petit déjeuner incroyable. Et c'était vraiment un très très bon séjour qu'on a passé dans cet hôtel. Donc je recommande pour ceux qui ont la possibilité voilà, d'aller à Liège. Voilà, je ne peux que vous recommander cet endroit fabuleux. Je passe maintenant à mes favoris mode. Et mon premier favori est un sac. Alors ce sac, ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. C'est un favori de février, mais j'aurais pu le mettre depuis décembre, janvier, voilà, toute ma vie. Puisque c'est un sac Zadig & Voltaire, c'est le Cecilia XS sur lequel j'avais flashé l'été dernier. Vraiment, j'étais folle de ce sac, je le voulais absolument, sauf qu'il coûte quand même un bras, il faut le dire. Donc du coup, j'avais montré ça il y a assez longtemps à Thibaut. Genre je crois que c'était à la fin de l'été, j'avais dit « Oh regarde, j'adore ce sac, machin ». Et puis il me l'a offert avec mes parents et mes sœurs à mon anniversaire, donc ça m'a fait extrêmement plaisir parce que vraiment je trouve que ce sac est fabuleux. Alors il y en a qui vont peut-être me dire « Mais ce sac est vraiment tout petit, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur ?» Mais moi il faut savoir que je me balade avec très peu de choses sur moi. Je suis absolument pas du genre à avoir 1000 trucs dans mon sac à main. J'ai juste mes papiers, mes clés de voiture, mes clés tout court de maison, voilà, mon petit portefeuille qui est tout petit et ma paire de lunettes et j'ai envie de dire c'est tout quoi. Ah si, peut-être un baume à lèvres, voilà, histoire d'eux. Mais sinon, j'emporte assez peu de choses dans mon sac, donc moi ça me dérange pas d'avoir des petits sacs et je trouve que ce sac est juste trop joli. Voilà, le sac à lui tout seul, habille une tenue, même la plus basique qu'elle soit, et je suis extrêmement fan de ce sac, je l'adore et je pense que je mourrai avec dans la tombe tellement je l'aime. Mon deuxième favori, et mon dieu que j'étais contente de le trouver, c'est un trench qui vient de chez H&M et qui a coûté vraiment, vraiment pas très cher. Je crois que je l'ai acheté 49 €, quelque chose comme ça, et en plus j'avais une réduction, donc il a dû me revenir à 45 €. Sachant que c'est un long, long trench, et pour moi c'est extrêmement, extrêmement pratique. Alors je suis pas fâchée avec la mode, mais je dois avouer que m'habiller est devenu une corvée. Alors c'est quand même un comble pour une influenceuse qui, voilà, pendant très longtemps a fait de la mode, mais vous savez, une fois que je m'étais faite opérer, j'avais des cicatrices sur le ventre, donc du coup j'étais pas très très à l'aise ni dans des jeans ni dans des pantalons, fallait que je porte que des trucs élastiques voire des leggings seulement, donc voilà, du coup j'ai pris l'habitude en fait d'être très très à l'aise dans mes vêtements et c'est quelque chose qui a perduré parce qu'en plus avec la dépression m'habiller bah clairement ça relevait du miracle hein. Donc c'est un combat, vous me direz, assez futile hein, mais important pour moi parce que voilà, ça m'aide aussi à me sentir bien. Et donc, ce trench est absolument pratique parce que du coup, ça va avec tout. Tu peux mettre des baskets, des boots, des rangers, des ce que tu veux, des Converse. Ça va avec tout et ça fait juste voilà, le style à lui tout seul. Et je mets mon trench et mon sac et j'ai envie de te dire, voilà, c'est comme si j'étais BG de Suzette. Je peux partir comme ça à un rendez-vous médical sans problème, sans me poser de questions. Un petit peu de beauté maintenant et je voulais vous présenter du coup la mousse nettoyante visage de Galinée. Galinée, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé, notamment dans ma routine cheveux. C'est une marque qui du coup est vraiment portée sur le microbiome. Donc ce sont les petites bactéries qu'il y a sur notre peau et qu'il faut savoir contenter de temps en temps si on veut avoir une jolie peau éclatante et lumineuse. Donc moi cette mousse, c'est un produit que j'utilise maintenant depuis presque 3 mois je crois, puisque elle m'a été offerte au mois de décembre directement par la marque. En termes d'efficacité, je peux vous dire que je vois la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas, et notamment quand je l'utilise pas
je me rends compte que voilà, j'ai des petits boutons qui sortent plus facilement, que j'ai le teint un peu plus terne, etc. Et voilà, cette mousse est absolument fabuleuse, merveilleuse. En termes d'ingrédients, on est sur une formule qui est sans savon, avec 92% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est quand même bien sympathique hein, quand c'est comme ça. Et puis vraiment, moi je recommande cette mousse parce que voilà, moi ça a changé ma vie de visage. Moi qui voilà, n'étais pas hyper portée là-dessus, je peux vous dire que depuis que j'ai des petits problèmes hormonaux, clairement je vois la différence, hein. J'en ai besoin de cette mousse. Donc autre favori beauté dont je voulais vous parler, c'est le Straight Up Mascara de RMS Beauty, qui est une marque, je ne sais pas si vous connaissez, de cosmétiques naturels. C'est quelque chose que j'ai connu sur Oh My Cream et Sephora depuis très récemment, et c'est un mascara qui est vraiment incroyable puisqu'il vous fait une courbure de cils qui tient toute la journée. Ça ne coule pas en fin de journée, genre vous vous retrouvez pas avec des yeux de panda ou je ne sais quoi. Donc vraiment très très bien, une composition avec des ingrédients d'origine naturelle et qui contient des peptides. Et les peptides, les amis, c'est absolument fantastique puisque ça vous permet de fortifier voilà votre cheveu de cils, enfin votre cil hein, tout simplement. Et donc moi ce que j'ai remarqué notamment depuis que j'utilise ce mascara, c'est que je perds beaucoup moins de cils au démaquillage, et ça c'est quand même super cool. En plus de ça, vous pouvez retrouver le mascara en ce moment en coffret chez Sephora avec un enlumineur, oula c'est difficile, un enlumineur et un baume à lèvres en format miniature, et ce je crois pour le prix de 29,90€ si je me trompe pas. Je vous mettrai le lien du coffret si je le retrouve de Sephora sur plutôt dans la barre d'infos, pardon. Je passe maintenant à mes derniers favoris de la catégorie divertissement, entertainment. Et comme je vous disais, le mois de février a été difficile, donc ça fait toujours du bien voilà, d'avoir un peu de baume au cœur avec des choses qui nous font du bien, qui nous changent les idées. Et du coup, je voulais vous parler notamment de deux séries Netflix qu'on a regardées, dévorées avec dévotion avec Thibaut. La première, c'est la série Inventing Anna, qui est une série, excusez-moi, je suis obligée de lire parce que clairement, si je vous raconte l'histoire, on n'est pas couché, hein, donc voilà. Inventing Anna, c'est une série qui s'inspire de faits réels et notamment d'une chronique qui a été écrite par une journaliste américaine sur une héritière russe-allemande, on ne sait pas trop. Donc je vais vous lire rapidement le synopsis. Une journaliste qui doit faire ses preuves enquête sur l'affaire Anna Delvey, héritière allemande légendaire sur Instagram, qui ne s'est pas contentée de voler les cœurs du gratin new-yorkais, mais qui l'a aussi dévalisé. Et donc en fait, au fur et à mesure de la série, vous allez découvrir bah voilà, comment est-ce qu'elle est devenue celle qu'elle est, qui elle est vraiment d'ailleurs, d'où est-ce qu'elle vient, parce que du coup en fait cette journaliste va mener toute une enquête sur Anna. On fait la découverte de ce personnage qui est absolument atypique, et vraiment je dois dire que l'actrice principale Julia Garner, qui joue du coup Anna Delvey, est absolument incroyable dans toute la série puisqu'elle arrive à incarner son personnage à la perfection, tellement à la perfection qu'elle en est agaçante, genre des fois t'as vraiment envie de gifler cette meuf, mais bon voilà, enfin vraiment j'adore cette série. Je trouve en plus que de manière générale le casting qui a été choisi est juste parfait je trouve pour incarner les personnages réels. Donc voilà, je vous encourage vivement à découvrir cette série. Autre série Netflix dont je voulais vous parler, c'est The Witcher, qui est une série je pense qui date un petit peu, mais nous on l'a découvert très récemment avec Thibaut. C'est une série fantastique, et il faut savoir que les séries fantastiques, Thibaut et moi, on les dévore de manière dévoratoire quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on adore, on est très très fan de tout cet univers, le style un petit peu tu sais médiéval qui se passe dans les forêts avec de la magie, etc. Nous, on est fan de ce genre d'univers. Et je vais vous lire encore une fois le synopsis. The Witcher est un récit épique sur la famille et le destin. Geralt de Rivia, qui est donc le personnage principal, un chasseur de monstres solitaire, se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains sont souvent plus vicieux que les bêtes. Et effectivement, ce qu'on va découvrir, c'est déjà que, un, le personnage principal est en fait quelqu'un d'hyper attachant. Au premier abord, c'est quelqu'un qui a l'air hyper frigide, voire sans cœur. Et en fait, c'est un personnage qui est vraiment attachant. En tout cas, moi, personnellement, je me suis vraiment attachée au personnage. Et pour le coup, je trouve aussi que l'univers fantastique,
fantastique et très jolie. Il y a de très très belles images. Il y a parfois des moments qui font un petit peu penser à Game of Thrones. Et je vous encourage de nouveau à aller découvrir cette série fantastique. Dernier favori de divertissement, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a maintenant quelques mois et qui m'a fait énormément de bien, surtout sur le mois de février. Je n'ai pas loupé une seule de ses vidéos. Il s'agit de Lone Fox Home, qui est une chaîne d'un Américain qui s'appelle Andrew, qui fait du DIY et aussi beaucoup de décorations maison, etc. Donc c'est un YouTuber qui décore aussi bien les apparts et les maisons de ses amis que son propre appartement. Ça lui arrive très souvent d'update d'ailleurs ses espaces de vie. C'est aussi un YouTuber qui fait de la décoration pour ses abonnés, parce qu'il arrive parfois que ses abonnés lui écrivent, etc. Et du coup, voilà, il s'occupe de faire des relookings de pièces ou carrément d'appartements entiers. Donc c'est super cool et vraiment j'adore son univers de décoration. Il est hyper talentueux, il a énormément d'idées, énormément de créativité. C'est vraiment quelqu'un en plus qui est rayonnant dans ses vidéos. Il a toujours le sourire, il fait du bien tout simplement sur YouTube et il a un univers, je trouve, en termes de décoration qui change de ce qu'on peut voir parfois sur YouTube. Et vraiment, voilà, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Je vous mets de toute façon le lien. Voilà, la vidéo de ses favoris du mois de février qui arrive un petit peu tard au mois de mars est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé quelques idées qui vous auront inspiré et peut-être même donné envie de, voilà, de faire des cadeaux à des proches ou même de vous faire des cadeaux à vous-même. Ça fait aussi du bien de se faire... de se faire du bien, hein, tout simplement. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous, de la joie et de l'amour. Et à très vite dans une prochaine vidéo.